Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream. Ce soir, je vous retrouve sur Resident Evil 4 Remake. Nous allons continuer notre aventure horrifique avec Leon Scott Kennedy qui a eu une possession d'Ashley qui lui a un petit peu planté le couteau dans la main, tranquille. Et là, on va continuer notre aventure et voir un petit peu ce qui nous attend. Donc, là, on est au chapitre 8, donc on approche de la moitié de l'aventure. Donc on est parti, salut tout le monde, bienvenue sur Resident Evil 4. Nous sommes au chapitre 8. Après avoir utilisé le couteau de Leon contre lui, Ashley prend la fuite. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle, comme si elle avait été possédée l'espace d'un instant. Inquiet, Leon se lance à sa poursuite. Condor 1 à Perchoir, c'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des Glonnes. Perchoir, j'entends mal. Tu me reçois? Bon. Est en route. Et merde! Y'a rien qui va. C'est là mes merdes, ouais. Bon, à un moment, faudra qu'on revienne là. Yo, à la salle d'audience, ça c'est sûr. Ok. Un petit peu d'argent pour démarrer, histoire de se mettre bien sur les chapeaux de, sur l'économie. Bon, alors on va voir si on n'oublie rien. Il y a le marchand qui est pas loin, ceci dit. Dure journée, étranger. Oh oui, t'as pas idée, mon vieux. T'as pas idée. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Eh non, on va se faire pas mal d'argent. Trésor ou babiole, ça. Merci. Oh, le Mathilda, le fameux pistolet qui tire trois coups. On va réparer notre couteau. Comme neuf. C'est un travail qui demande de la Je monte l'absurde de mon magnum aussi pour plus tard, ça sera utile. Les ajustements peuvent faire tout. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Donc la lunette, je l'ai gardée. Les munitions magnum, bon. J'achète. Et bonne route. Voilà. Allez, on est reparti. Alors, je rechargeais mes armes, enfin, celles qui ont des munitions, pas comme le fusil à pompe. Ben voilà, on récupère un peu de sous et d'autres balles, le pistolet. Bon. On est pas mal, hein. On a encore un peu de place, mais attention. Donc là, on va essayer de récupérer le plus de trésors possible. C'est quoi ce délire? Oh. Il n'y en a aucun qui a survécu apparemment. On a rien oublié dans le coin, non. Gloire à la Splaga, ça j'ai bien compris. Attends. Il y a deux chemins possibles, soit t'enjambes et tu tombes directement. Tu vas me dire que c'est fermé.
Donc va falloir que j'enjambe, j'ai pas le choix. Ok, le chevalier de Gus, alors c'est quoi ça? Remis la flamme écarlate. Les voies de la peste résident dans les flammes guidant les âmes misères vers le salut. Remis la flamme écarlate à sa place, ainsi tu seras éclairé, je m'arrive. Ça doit être cette lanterne, non? Ok. C'est la lanterne de ce monsieur. Ok, je vois le genre, on a compris. C'est lui qui fait ça. Hop, comme ça derrière. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la gaz de. Mais. Recule, recule. Bon, on l'a eu. Ça, c'est une bonne chose. Proche, approche. Ça va, ça les a calmés. Oh, mais il y avait même des barils explosifs, on aurait pu faire une petite loterie. Voilà. Alors, il y en avait un deuxième, je l'ai pas vu. Encore de l'argent. Bon, au moins, il sera pas mal sur le château. On peut se faire pas mal de fric. Ah, je te vois. On les a tous eus. Ça, c'est fait. Oh, un couteau de botte en plus, je dis pas non. C'est quoi ça? On aurait pu le faire tomber, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt, moi qui avait un trésor là-dedans. Ah, il y avait un diamant. Bon, bah écoute. Un diamant, ça se prend. Hein. Un diamant jaune en plus, c'est rare. Oh, un trésor. Miroir avec perles et rubis. Ça va faire du pognon. La lanterne écarlate, ça c'est pour débloquer. Huit de plus.
Je vérifie que j'ai rien oublié jusqu'au bout. Oh, mais il y avait un coffre encore. Ah, bah c'est le même tonneau que tout à l'heure. Maintenant, on a tout pris, on se taille. Allez, on se taille, il n'y a plus rien de toute façon. Attends. Que je fasse pas de bêtises, c'est là. Vérifie quand même. Hein. Pas de tonneau, pas de caisse, non. Retour au bercail. Voilà, une lanterne plus une lanterne, ça fait deux lanternes. Et ça ouvre la voie. Oh, il y a beaucoup d'armure. Hein. Il me faut quelqu'un. Faudrait que je revienne plus tard. Tu vas voir qu'il y a un deuxième Broken Butterfly là-dedans. Je l'ai acheté pour rien le premier. Bien. Il n'y a rien. Il va falloir que je fasse le tour à mon avis. Je vois pas trop où je pourrais aller ailleurs. Salut étranger. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Merci. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Pour autre chose, peut-être, peut-être. Les armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer. Reviens quand tu veux, surtout. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il n'y a rien. Et là, je peux pas avancer. Il y avait un escalier là, t'es sérieux? J'y suis pas allé. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Trésor, il y en a là, dans la prochaine pièce, ok. Une alexandrite. Oh, mais là il va y avoir deux trésors. Poudre noire. Santé, toujours avec modération. Ah. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, précisant, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Ah.
Laissez le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois ? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait ? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement ? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois ? Ouais, la scène elle est moins épique que dans l'original, je trouve, mais la discussion est sympa. Eh ben, si je m'attendais à ça. Alors, une pierre lithographique. Ok. Donc il faut retrouver les autres et il y a un petit truc à faire. Bon. Ah, c'est maintenant. Ok, bon. Ça m'arrange. Il y a un peu. Un autre jeton d'argent, ça ce sera utile quand on ira faire le pro de la gâchette au stand du tir. Attends, j'ai loupé le coffre. Ok. Le coffre là, il y a quoi? Oh, une horloge luxueuse. Elle n'était pas ça dans l'original. Alors qu'est-ce qu'on a? Un joyau. Joli. Et il me manque... Puisque j'ai tout. Ok, il y a un jeu à faire là. Donc pour moi, celle-là, c'est bon. Ok. Moi, j'ai compris. Il y a une... Alors... L'armure, elle va là en bas. Il y avait une histoire là, ok. On repassera ici à l'atelier de reliure parce qu'il y a un trésor. Il faut que je retrouve Ashley. Alors, Illuminados 3.2. Entendez le signal résonner dans les montagnes, les rochers deviennent gravier, les murs châteaux s'écroulent. Contemplez la teinte croisée du ciel nocturne, rivière de sang impur, seuil la mer, sacrifiez votre vie, le sang de vos ennemis, expiez vos péchés passés. Il n'y a rien d'autre. Non, 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 non. On explore. Wow. Oh non, pas eux.
Ah bah, la petite clé, elle tombe bien, celle-là. On va de tout de suite ouvrir le petit tiroir. Montre goût, c'est ça, pas de l'argent en plus. Bon, là on a tout. Attends, il y a une... Ah non, il y a une porte, mais elle est condamnée. Ok. Avançons. Avançons. What's the... Ah. Putain. Ah, il a encaissé, hein. Son PC tasse et 500. Ok, ça nous fera des balles de fusil. Retourner sur des remparts, c'est ça? J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Des nouveautés, tu dis? Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Une affaire bien conclue. Un gilet pare-balles? Il y a un gilet qui protège? Bah vas-y. Hein. Ne t'en fais pas. Je propose également un service de réparation. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien... Et c'est ça pour voir. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Au niveau des échanges, j'ai pas grand-chose. Peut-être le Matilda à l'occasion. Fais bonne route. Ok. Oh, wow, wow. Ok, il y a le comité d'accueil qui est là. Oh, vous m'attendiez? Ah, je suis flatté, franchement. Aïe.
Encore un. Ok. C'est incroyable. Ok. Oh non, j'ai peur. Ok. Parfait. Une herbe verte, ça c'est toujours utile. Niveau munitions, on est là très light, hein. Hop, je refais un peu de carreau. Regardez partout. Oh, encore un. Mais c'est pas vrai. Encore un peu d'argent. Je vais monter au sommet de cette tour. Waouh. Par contre là je le touche normalement. Ouais c'est bien de l'argent. Ça marche pas, j'ai essayé. Il y a un petit jeu des énigmes, ok encore. Ok. Comment ça marche? Wow, ok. Encore une spinelle, c'est toujours ça de prix. Ok. Wow.
Olé. Ah, ça le prix. Oh non, mais c'est chiant ça. Faut vraiment que j'aille au Magnum. Allez, encore d'autres. Attends, ça tout nous ça. De la grande ferraille encore. Bon. Le jeu qui ne donne que ça, de la grande ferraille, la petite icône est pas. Oula. C'est un peu de bordel ici. Ça c'est fait. Donc là il y a la lune. Là, il faut que ce soit le soleil. Donc ça veut dire qu'il y en a encore un autre qui doit être un soleil dans le coin. Là, il est pas là. Alors attends, faut que je retourne sur mes pas alors. Là, je peux plus avancer. Donc là, c'est la lune, ça c'est sûr.
Il y en a un deuxième, mais je ne vois pas où il pourrait être. Bon, bah on va retourner en arrière, si c'est ça qu'on me demande. Ouais. Ah non. Je peux pas sortir. Comment ça se fait? Il y a forcément une explication. Quand je suis arrivé là, tu vois que la solution est juste sous mon nez, mais non. Donc là, c'est le premier, c'est le seul levier que je vois. Ouf, ok. On les a eu, c'est bon. Alors, et cette porte, c'est quoi? Ça s'ouvre pas. C'est forcément le levier là, mais quoi? Ok. Faut juste que je redescende en bas 2 secondes. Non. Ok. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là non plus. Donc là.
Non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon non plus. Là, c'est bon. Ok, donc là, il me faut le soleil. Les énigmes, elles sont bien quand même. Ok, donc là je peux plus retourner, d'accord. Donc ça veut dire que je dois terminer ici. Comme ça là de l'autre côté. Normalement passons par l'autre côté. Je devrais pas avoir de problème. Oh putain de merde. J'avais oublié. C'était quoi ça? Oh non. Un giganté en armure. Vous commencez vraiment à me faire chier à un point, c'est total. Il faut la catapulte en gros. Sympa. Aïe. Prochaine étape, c'est quoi, des Nazgûl? Ok, faut que je retourne là-dedans. Il faudra que je redescende par ici après. Ok, on repassera. C'est noté. Alors attends, moi que je me sois trompé de tour. Tu vois, je suis retourné sur mes pas et j'aurais pas dû. Je suis sûr que c'est ça, j'ai fait le con. Je me suis retourné sur mes pas et j'aurais pas dû en fait. Ah bah ouais. Ouais.
Et là, il me manque un trésor. Donc là, il faut que ce soit là-bas. Un croissant, ok. Je déteste cette partie, notamment moi-même. Donc là, on touche à rien. Je déteste cet endroit. J'ai toujours du mal ici, hein, c'est fou. Tu peux vraiment te paumer en chapitre 8. Comment on sort de ce guépier? Donc là, non. Là, c'est mort. Là, c'est pas bon. Ok, il me faut un croissant là. Non, il me faut un C là. Et je peux pas revenir en arrière, si? Parce que là, si j'ai un autre C, alors attends. Bon, la porte est ouverte déjà. Logiquement, avant de sauter, j'ai deux C, on est d'accord. Bah écoute, on va voir, hein. Pour moi ça me semble logique. Ok, c'est bon. Bah tout ça pour un trésor, on va me dire. Oh, un collier orné, ça va faire du pognon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Une pierre bleue. Une pierre jaune. Putain, le premier collier de perles, j'en aurais eu pour beaucoup d'argent, je me dis. Si je l'avais pas vendu au début du jeu. Bon, déjà là, on aura du pognon. Comme ça, là, j'accède ici. D'accord, je comprends mieux.
Normalement, je voudrais de l'autre côté. Parfait. Et maintenant, je peux avancer. J'ai rien oublié en arrière. Ça a mis le temps, hein, désolé, mais on y arrive. Ok. Donc maintenant, il faut que j'aille. Faut que je retourne par là. Allez. Wow. Eh, mollo, hein. Je pense que j'ai pigé. Ah, j'entends un petit bruit qui me parle. Petit enfoiré. J'ai bien fait de revenir ici. Vite, on récupère son gros peu. Oh, une herbe jaune et un coffre. Une émeraude. Ah, de la petite fer, et ça tombe bien. Parce que c'est pas que j'étais à court de mule, mais pas loin. Encore des mules de pistoles. Une petite grenade aveuglante en plus. Ça va, c'est pas mal. Waouh. Maintenant, on trace. Il faut qu'on se rende ici. Ah, ok. Là, niveau balle de pistolet, on va éviter de gaspiller nos munitions sur le gigante en armure. Ça, c'est... pour moi, c'est inutile. Il nous reste encore 2 tours à aller chercher. Cours, 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 cours. Ok, il y a encore des sortes de mantelets. Ok, on récupère 1200 de plus. Une herbe verte en prime. De la poudre noire. Bon, je vérifie que j'ai rien oublié, normalement non. Attention, j'en ai vu un là-bas. Content.
Désolé ma soeur, t'es pas mon genre. Ok. Il faut trouver un... Putain ! Je crois que je fais pas de quoi ! Ok, donc là il me faut un soleil en bas, ok. Attends, y a pas une échelle, un truc comme ça. Attends. Là je peux pas monter. Et comment il me touche là? Mon gilet va pas tenir. Pas de mur. Ah, il y a une échelle là, d'accord, je l'avais même pas vu, il faut que j'ouvre mes yeux. Donc en bas, il y a un soleil. Aïe. Oh, il est vénère, gros. Hein. Donc il me faut un soleil. De fusil, balle de piston. Alors, il est censé être là, ce trésor. C'est un rubis supplémentaire, ça se prend. Aïe. On remonte. Oh, un canon. J'espère qu'il marche. Bah, on va prier parce que je vois pas comment on peut combattre cette chose à part sans canon. Bon, déjà, première chose. Attends, comment ça, Yesta? Ok, j'ai compris. Bonjour ma soeur. Alors, à mon avis, il faut que je retourne de l'autre côté. Alors. Merde. Il va me faire une petite clé. Que je n'ai pas. Mais qui doit être dans le coin. Donc la clé, petite clé doit être ici. De la grande ferraille. Là, y a rien, je fouille partout, on sait jamais. Ah, il y a de l'or, ok. Eh, t'as fini?
Parfait. Ah. Et ben voilà, hein, on frappe avant d'entrer. Ah ça, tu l'as dit. En gros, il y a un trésor que je reviendrai. Je pense qu'il me faut la petite clé que je n'ai pas trouvée. Alors, je vais regarder quand même, peut-être que j'ai mal vu. De toute façon, pouvoir revenir, donc j'en conclus que la petite clé elle doit être dans le coin. On va regarder quand même. Wow. Désolé, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ok. Donc faudra que je revienne faire le tour, quoi. Ça marche. Y a rien, y a rien. Oh non. Ashley, où est-ce que t'es? Oh, j'ai un mauvais passage, un mauvais souvenir ce passage. Oh, attends, y a quoi là? Un masque chic et un jeton d'or, ok. C'est normal d'avoir peur. Mais tu peux pas fuir. Tu dois avancer. On va vaincre ce truc. Ensemble. Je sais pas si j'en ai la force. Mais si. Par contre, préviens-moi la prochaine fois que tu veux me poignarder, d'accord? Léon... Merci. Bon, c'est la fin du chapitre 8, bon, un peu plus long que prévu, j'espère qu'il vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure sur Resident Evil 4 Remake. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao!